et c'est ça que moi j'aimais bien dans ton profil, c'était justement cette complémentarité ou le fait d'être à cheval entre le monde artistique et le monde de l'entrepreneuriat, en fait. Oui, en fait, à partir du moment où on décide d'être artiste à temps plein, il y a forcément un écrin à avoir, à moins d'être rentier, mais ce n'est pas le cas. Je trouve que si on considère l'entreprise, l'argent, comme le fait d'être quelque chose qui simplement donne du flux, en fait, valeur aux choses, qui permet peut-être d'aller au bout d'une démarche aussi, parce qu'on est engagé sur quelque chose qu'on nous a demandé, sur ce que. Un public attend de la prochaine exposition sur ce que divers projets. Je participe par exemple à un projet de théâtre. On est venu demander de travailler avec des images que j'avais faites en voyage, au long cours, donc en lien avec la nature, en lien très profond avec la nature, avec l'océan. Et c'est cette sensibilité-là qu'on est venu chercher, tout en cherchant aussi une expertise. Cette expertise et le cadre, il est de l'entrepreneuriat en fait. C'est la structure. C'est la structure et la structure, elle permet d'aller. Ok, donc si je comprends bien quelque part, le cœur, c'est vraiment ta création artistique, principalement visuelle dans ton cas, et la forme, l'écrin, j'aimais bien le mot écrin que tu utilisais en fait, et la forme, l'écrin, c'est l'entrepreneuriat en fait, c'est ça?